Je sais pas ce qui se passe aujourd'hui. Déjà, j'ai été très pessimiste sur la hauteur de ces poteaux de devant. Et j'ai réussi à casser la barre à mine. Pardon ? Voilà, là on est de niveau. Alors pour la faîtière, j'y infiltrerai un chevron. Et pour la sablière, je ne sais pas encore. On verra. Impeccable. Oh, salut. Ah bah j'avais oublié de faire la vidéo de présentation. C'est pas très spontané ça. Ah bah j'ai fini de mettre les poteaux. Faudra que je mette maintenant une panne fêtière, une panne sablière. Ce sera juste des chevrons. J'ai pas forcément pris les bons morceaux à l'époque où j'ai fait le plan. Mais c'est pas grave, ce sera des appentis provisoires pour caravane. Il y en a pour 2 ou 3 ans ou plus. Ça va bien tenir. Donc on va partir sur des tôles modernes, type Bacassier, même si c'est pas la marque Bacassier. J'ai posé aussi les poteaux sur l'autre petite caravane. Bon, celle-ci, je verrai pour faire la suite, ce sera fait plus tard. J'ai déjà pas assez de tôles pour celle-ci, alors ce sera sans doute fait avec de la récup. Parce que cette histoire de tôles, ça coûte vraiment un bon paquet de pognon. Rien que pour les vis, il y en a pour des centaines d'euros.
Jasmine Wall. Pour faire de la musique. Du henpan. Avec quoi on assemble ce sifflet? Tiges filetées ou juste des grosses vis? Bon bah finalement je me décide pour des tiges filetées de 10 mm. Classe de résistance 8-8 et acier brut. Ça veut dire que ça risque de rouiller mais bon c'est pas grave. Déjà faut réussir à remettre le sifflet droit. C'est pas tout à fait facile mais ça se fait. Et ensuite faut percer les trous d'équerre. Elle est où l'équerre? Voilà, ça rentre. Puis je suis venu sans mes outils. Et voilà, c'est solide. Normalement, le sifflet devrait venir à l'intérieur d'un poteau pour que ce soit idéal. Mais là, ça va très bien, je trouve. Je vais vérifier un petit coup si on est de niveau. Horizontal. Et on l'est. Et si on penche plutôt à gauche ou plutôt à droite? Et là, on est plutôt centriste. C'est vrai que je pense à ramonner la cheminée. Et avec le double paroi, c'est bon, il n'y a pas beaucoup de suie. Voire même pas du tout. Donc j'ai pas tout filmé. J'ai mis la panne sablier. C'est juste le chevron posé sur le côté, entaillé. Alors ici j'ai triché un peu, il me manquait un peu de hauteur. Oh, pas bien.
Et voilà les petits contreventements. Bon, c'est juste vissé, c'est pas en tonneau mortaise. J'ai pas fait une cathédrale. J'aimerais bien finir la structure au moins un jour ou l'autre. Pour la dernière tôle, je suis obligé de monter sur le toit. Alors je vais m'attacher, je vais mettre mon petit baudrier. J'ai accroché ça à la ferme maître de la grange. Et ben voilà, on est pas mal. Projet terminé, ça fait plaisir, il fait frais. C'est sympa, il n'y aura pas d'intempéries comme ça. L'ensemble est un peu léger, mais ça va tenir. Et puis de toute façon, ce sera plus efficace pour le redémonter, vu que c'est provisoire. Alors il y a plein de petits trucs qui manquent ou qui sont à refaire. Ici, il aurait fallu mettre une portion plus grosse, un chevron plutôt que deux planches, pour faire les entretoises. Et faire une vraie fermette. Il aurait dû y avoir un tonneau ici, à peu près par là, qui se tient, et des contre-fiches. Et je dois dire que le fait de monter sur le toit, c'était très rock'n'roll.